Salut tout le monde, on se retrouve sur le Flag Public pour une nouvelle série de Let's Build ensemble, évidemment. Et on va faire un Let's Build moderne, très grosse inspiration, voire reproduction, quasi reproduction. Vous avez déjà entendu le terme sur ma chaîne. Et on va faire un Let's Build sur un immeuble. Alors pas cette fois-ci, ce sera pas un immeuble d'habitation, on va faire des immeubles de bureaux qu'on aménagera certainement pas pendant le Let's Build. On verra. Laissons un petit espoir. Mais vous me connaissez, bref. Et donc j'ai trouvé un bureau, un immeuble de bureau, d'ailleurs je pense qu'il est dédié à ça, dans des projets architecturaux, qui est nickel parce que je trouve qu'il y a plein de petits trucs qui font que ça va faire super moderne, mais très simple à faire. Et le bâtiment a une forme en général très simple. J'espère que ça rendra bien, on verra au cours du Let's Build. Rien n'est moins sûr. J'ai mis quelques repères. On va faire ça ici. J'ai une extension de la ville. Que Gwansan a commencé. La ville principale. Il y aura un accès parking par là. D'ailleurs, je suis en train de vérifier. Oh, quelle heure il est? J'ai commencé à 40. Bon, bah voilà, à pile. Je commence à réfléchir. Oui, 11. Donc, on fera une route. D'où le sens des... qui descendra un parking. Je pense qu'on aménagera ensemble. Ou alors, je ferai ça en off. Parking, c'est pas super. Bon. On verra. C'est pas dur à faire. C'est un gros trou. C'est beaucoup de word edit. Chiant. Il y aura du word edit hein, pour le Let's Build. C'est pas un tuto. Bref, on va commencer, on va mettre beaucoup de repères, je pense, sur cet épisode. Je dis rien. Dans ce cas-là, je ferme ma gueule. Les matériaux, tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, de toute manière, j'ai besoin de pas bugger quand je parle, de détails. Donc, je vais faire ça avec du quartz, c'est des escaliers. Enfin, il me faut des blocs avec des escaliers. Si je voulais vraiment reprendre le bâtiment, il est en sandstone, ça va être chiant. Trop de sandstone tue la sandstone. On va partir sur du blanc. Mais on verra si on fera pas une partie sandstone, mais on verra ça avec le temps. De la glace. Il y aura des petits détails avec beaucoup de ça. Ouais, parle bien la France. Allez, c'est parti. Le premier épisode va être chiant, parce que, comme tous, hein. 4, 5. On va faire du 7. Laisse-moi check si 7, c'est pas un peu abuse. On va faire du 5 après. On va faire du 5, mais c'est vrai que... ce qui pourrait être un accueil, grand plafond, ça peut être bien. Écoutez, on part sur 7. Si je dois rabaisser tout, j'ai Word Edit. Ensuite, on va essayer de faire un truc au niveau des proportions qui a un peu de la gueule. En essayant pas de tout péter. Je suis repassé avec, d'ailleurs, le... Comment il s'appelle ce con? Le Seus Ultra. Alors, 2, 3... Moi réfléchir. On pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non. Non, tu déconnes, Gorby. On va partir sur moins. On va partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moi je dirais 15 ou 17. Voyons la place qui nous reste à côté. Je dirais 17. On va voir ça. Évidemment, entre deux épisodes, si je trouve que j'ai perdu... Enfin, entre l'épisode 1, par exemple, et l'épisode 2. Si je trouve que j'ai perdu trop de temps à... Des choses qui sont toutes bêtes, je les ferai en off, comme ça m'arrive souvent. Alors, sur le pattern de façade potentielle, est-ce que ça peut être bien si on fait ça tous les deux? Est-ce que je vais me retrouver sur quelque chose de bien? Évidemment, je me retrouve sur quelque chose de bien. Ça fera une forêt de pilotis. Ça peut être pas mal. Ok. Alors, on a pris 17. Donc, peut-être 35. Ou 33. Stack 32. Oh, plus. 17 sur... peut-être 39. Hein. Je vérifie quand même. Ouais, 39. Il faut qu'il soit long quand même. On va partir sur 45. GG. On est à combien là? Oh, attendez. J'ai dit combien? 45? Ouais, 45 ça me paraît bien. Hop, stack 44. Donc, j'aurais pu vérifier. Avant. Voilà, 45 ça me paraît bien. On arrive bien derrière.
Voir si le rectangle est respecté, ça ne veut rien dire. On ne respecte pas un rectangle à ce point. Stack 16 pour avoir 17. Ouais, gros blocos de verre. Enfin, blocos de verre. C'est normal. C'est normal. C'est normal. On va se retrouver de toute manière la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. L'entrée, on va la faire comment? Oh. Oui, j'ai besoin de poser un petit peu le plafond. Vite fait. Alors, le truc qui pourrait être joli, c'est un petit retour avec forêt de pilotis qui va gêner l'entrée. Tiens, ça peut être pas mal ça. J'avais laissé deux. Alors, si on fait un retour, on fait un retour de comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça se colle pas avec le. Non, par contre, le Seus, très chiant pour le. On y voit comme dans. Ouais. C'est trop. Ouais, c'est trop magique quand même. Donc, petit retour. Oui. Et lui, il sera peut-être négligé. Négligeable. Ensuite. Pour l'esthétisme. Imaginons. Alors là, ça va sortir de... Je sais pas combien de blocs, mais ça va sortir. On calculera après. Donc ici, il y aura un mur. Repère. Pour Corby. Non, parce que si je fais pile-pile, ça va être chiant. On verra si on modifie pas. Il y aura la forêt de pilotis, tu me diras. Donc non, bien. Non, je dis pas mal. Ok, mur. Alors ça va sortir, ça serait bien de le calculer maintenant d'ailleurs. Le truc qui pourrait être pas mal, c'est de faire un plan pas trop incliné, sachant qu'on a du double plafond. Je vais peut-être pas partir sur 7 quand même au premier étage. Hein. Oh, je sais pas, on verra. Parce que dans l'absolu, si je fais un double plafond, on va se le marquer tout de suite. Donc de là jusque là, 755. Je suis un peu obligé de faire du double plafond. Pour plusieurs raisons. Alors on verra plus tard lesquelles. Non mais parce que c'est toujours bien pour incruster des systèmes lumineux, de lumière. Si quelqu'un veut l'aménager, ou si je décide d'aménager. De toute façon le double plafond c'est toujours bien. On va refoutre le jour un petit peu. C'est pas mal. Donc dans l'esprit, il faudrait... Ah le jour il est très... Il est pas violent. Il faut qu'exactement à ce niveau là, on va faire... Voilà, ici, on se fait un repère, tac. Donc ici, il y a la baie vitrée de 5 qui continue. 3, 4, 5 sur 5 de haut. Ok. Peut-être que là, j'ai un peu forcé sur le calvados. Comment on peut faire? On va faire un petit plan incliné. On peut faire 2, 2. Eh ouais, mais non, ça fait... On va partir sur du 4. À moins ce qu'il m'en reste plus... ouais, on part sur du 4. Oh là là, on peut partir sur plus. Mais après, est-ce que ça va pas faire trop? Après, ça va nous faire une grande avancée en fait dans le vide, vous voyez ce que je veux dire? Non, ah, c'est pas grave. Ou alors, tout simplement, 1, 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi je m'emmerde la bite. Non. On va faire... Ouais, on va faire comme ça. Ici, on va faire 4 comme ça, et là-haut, on... Non, mais je vois ce que je veux... C'est tout éclair dans ma tête. Non, on dirait pas? C'est normal. Stack, je vois 17. Ça dégage. Et ici, en fait, on aura... Re un mur. Qu'est-ce que c'est que cette slab à la con? Ça, c'est pas mal, ça. Il est bordélique, un seul build, comme tous les débuts. Et comme tout ce que je construis. Au niveau technique. Surtout quand je fais de la quasi-reproduction, hein. Je m'inspire beaucoup de la façade. Je pars de la façade, quoi. Je me fais des repères visuels, là. Hein. Hein. Bon. Oh, sinon, merde, on est quand même de plus en plus nombreux, hein, sur cette chaîne YouTube. Pas déconner, hein. Ah, attendez. Et ça, c'est pas mal. Non, c'est vrai, j'ai rien fait pour mes 20 000 abonnés.
Je réfléchis. Ah, ça va être peut-être plus joli comme ça. Oui, ça va être plus joli comme ça. Et bon, peut-être que je ferai quelque chose, mais pour les 25 000 ou quand j'aurai une idée intéressante, ça sert à rien de fêter pour fêter. Non, il n'y a pas d'idée, quoi. On va retrouver peut-être ce système un petit peu de. Hein ? De fentre, ça. Stack 4. Voilà, là c'est cool. Bon, à voir, hein, ça je verrai dans les. On va faire le gabarit de cette façade. Oh, puis même, attendez, je dis n'importe quoi, on va faire complètement. On va tirer le. Oh, on va tirer tous les tâches, c'est plus simple. Dans les grandes lignes. 755. On va avoir un petit travail de façade ici sympa à faire. Enfin, deux fenêtres sur ce côté-là. Sur ce côté-là, je le tire le mur pour que ça soit plus simple. Dans ma tête, ça sera plus simple. Après, je le re-enlèverai. Hein, je ferai des ouvertures parce qu'il y aura une cage d'escalier. Il y aura un étage un petit peu biscornu. Donc, je le mets de façon un peu temporaire. Ici, à peu près. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9, c'est bien. Moi, j'aime bien. On aura. Alors, l'entrée qu'on va faire sur. Partons sur du 5 pour voir ce que ça donne. Alors c'est là, dans ce petit renfoncement que je suis en train de faire, qu'on peut peut-être changer de matériau. Partir sur de la sandstone, ou peut-être partir sur les planches blanches. Ouais. Et donc, peut-être les planches blanches, ouais. Oh, je verrai ça après. Pour l'instant, je fais le comme d'habitude, un petit peu le gabarit. Dans une matière random. Qui est souvent en quartz. Alors l'entrée de 5, peut-être que tu déconnes, GG. A voir si ça reste, ça. De toute façon, 5 avec le... Ouais, 5 avec ça. Ok. Ensuite. Peut-être que 3 même, d'ailleurs. Oh, attendez, laisse-moi réfléchir. Ou 4. Et on fera un truc... Bon, je sais pas, mais j'ai envie de... Ouais, plus étroit comme ça. Ça, c'est plus sympa. Ensuite, on va partir donc du coup sur du certainement 5. Pour voir ce que ça donne. Pour une cage d'escalier, ça suffit. 5, une barre, 1. C'est vague, hein, ce que je raconte. C'est normal. À combien on est là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors non, on va partir sur 9. Vide. D'accord. Ça va peut-être être trop. De trop, comme dirait Mamar. Bonne question. Laisse-moi voir. Non, ça passera. Ça passera. Il y aura du glace panel ou un travail ici. C'est pas encore clair dans ma tête, donc je ne fais rien. Par contre, le seul truc de sûr, c'est qu'ici, évidemment, ce mur, qui ne sera pas plein, qui sera travaillé quand elle travaillera plus tard. Je vais le déployer jusqu'à nouvel ordre. Alors le derrière, on verra après pour cette partie-là. On se réserve ça pour l'épisode suivant. Parce qu'il y a plein de... Bon, bref, vous verrez bien. On va faire un copier-coller de ceci. Hop. Copie, d'ailleurs, rotate 180. Il faut que je me mette à 1, 2, putain, on voit rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Paste. De toute façon, on a con. Ouais, à part les escaliers qui ont bugué, normal. On a 4 et la glace. Et nous avons 4 blocs et la glace. Ok. Je remplace l'escalier parce que ça bug dans les rotations. Enfin, pas tout le temps. Évidemment. Ça troll quand même pas mal. Stack 16. Bim. Là, vous n'y voyez rien comme moi, c'est normal, c'est le soleil qui casse les couilles. Quoique ça assombrit YouTube, c'est vrai. J'ai oublié.
Donc ici, ça sera quasiment pareil. Là, il y aura du travail de fenêtre que je vous ai dit. Ouais, alors pour l'instant, je vais prendre les... Je vais faire ça. On va les mettre à niveau. Stack 6 up. On les met à niveau. Celui de l'entrée, il risque de dégager, je pense quand même. Faut pas dégager, il faut pas déconner. J'ai l'impression, je pense qu'il va quand même gêner. Il y a de grandes chances. Et là, on va stack, on divise par 3. Donc, bon, bah, on est sur du 15. Hein. Ah! Eh ben, on va se démerder pour bien tomber. Tout simplement. Eh oui. Eh oui, monsieur. Fille, monsieur. Là, par contre, tout va bien. On va tout décaler de un bloc. C'est l'avantage de Word Edit. Hein. Travailler sans sur des grosses structures, c'est un peu de la folie. Ou encore, c'est pas une énorme structure ce que je suis en train de faire. Faut pas déconner. La forêt de pilotis. Alors, bon, au bout d'un moment, c'est lourd. Mais pour l'instant, je la fous. Voir entre deux épisodes. S'il y a un peu de réflexion qui me vient, il y aura peut-être un mur de lui qui va faire une jointure différente. Je sais pas. On verra. Stack 6 up. Ou alors, je ferai une alternance de cobble. La cobble noire, la cobble en bois, pour faire un truc un peu plus... un peu moins... Vous voyez quoi? Hein? Oui. Ou alors je mettrai que du noir. Mais il faut voir ce que ça va donner sur tout le bâtiment. Ça se trouve, j'ai remplacé par des trappes d'or, finalement. Peut-être des... Attendez. Si on fait... Replace 139, il me semble 139, par 96.5. Donc déjà, c'est raté. Replay 15.7. Serré à droite, serré à gauche, on s'en fout là. De toute façon, on va toujours avoir un petit problème. On aura toujours un petit problème, donc. La question se pose. On s'en fout. Peut-être que ça sera moins chiant. En bas, on peut garder les fences. Et si on essaye en noir? 113. On va essayer. Replay 139 par 113. C'est peut-être pas mal avec le blanc. Écoutez, en fait, ça je peux pas trop savoir en fait, parce qu'il faudrait faire le stack général, mon capitaine. J'aime bien. J'aime bien ce que ça pourrait donner. Mais alors peut-être que du coup, vous savez quoi, on va pas s'emmerder la bite. Et peut-être qu'on va les garder ici aussi. Replace 96 par 113. Ouais, pas mal, ouais. Stack 4 up. Remove item 50. Ok. Là, on est bien. Enfin. Alors ici, on va faire un truc... Pour l'instant, parce que ça risque de changer, je pense. Vous savez que cette brique ne va pas rester de la brique. Ça va être du glass pan dans les dégradés de gris ou autre chose, peut-être dégradé de bleu-vert. Certainement de gris et de blanc, un peu comme d'hab. Ça ira bien avec le reste. Donc pour l'instant, je le laisse en brique, c'est normal. On va préparer le travail du deuxième épisode, c'est-à-dire le travail. Le travail de vitre. Ah, grosse erreur, Corby. Enfin, grosse erreur. Non, c'est pas une grosse. C'est pas dérangeant, mais je vais être obligé de décaler pas mal de choses. J'ai absolument besoin de double mur sur les côtés. C'est vraiment très dommage. Non, pas du tout. On va faire la. Oh là là, j'ai une idée. On va faire une feinte. On va faire un double mur à l'intérieur. Non, mais parce que pour le rendu... ouais, ça va passer comme ça. On pourra même changer la couleur du mur. Ah non, là, on pourra pas la changer, par contre. J'en ai vraiment besoin... Non, que de ce côté.
pour avoir ce petit effet, vous allez voir, hein. C'est très simple. On va se mettre à combien? Oh merde, des blocs rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Commençons à... Ouais, peut-être commençons à 7 à faire le travail de fenêtre. Alors nous avons double sol. Donc à partir d'ici, ça veut dire que nous sommes à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ça me paraît pas mal. Alors on fait du travail de fenêtre. Merde. Peut-être partir sur du 5 à 2, 3, 4, 5. Mais là peut-être que... Chut, chut, pas de marque. On va peut-être décaler. Ah, à partir de ce pilier-là. Ouais. Ok, on va faire ça comme ça. Alors, 1, 2, 3... Il y a un gosse qui pète un câble. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... Mais ferme-la, le gamin. T'as pas eu ta sucette. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Eh. Vous voyez ou pas? Non, moi non plus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. De toute façon, je sais pas pourquoi je m'emmerde la bite. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On part à 9, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bim. 3, 4, 5. Et après, on bourre. Donc, on va faire du 7-0. Pas mal. Pas mal. Alors. Merde. 3 d'épaisseur, ça aurait été mieux pour faire l'impression de diagonale. Vous voyez, un truc. 3, 4, 5. Un truc comme ça en relief. Alors, à moins que je fasse une feinte. 2, 3, 4, 5. Non, mais c'est pas une feinte, ça va être dégueulasse. Non, on va laisser ça comme ça. Pareil, ici. Je mets, pour l'instant, de la brique. Replace 0 par 45, que je remplacerai par du glace panel. Et on aura un effet de petit renfoncement assez intéressant. Peut-être qu'on va donner un peu plus de relief. C'est pas impossible. Avec un petit peu d'escalier. Mais ça, je verrai une fois que j'aurai mis le glace panel. Le glace pan, tout ça. Tiens, tant que j'y pense. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Je vais essayer de faire quelques trucs en off, je pense, entre le 1 et 2. Pour voir à peu près la gueule que ça pourrait avoir. Replace 139 par 113. Ouais, ça me paraît pas mal. Il y aura du travail. Travail, il y aura du travail de façade ici. Non, après, on va rigoler parce qu'avec Word Edit, on fera des replays, on mettra de la brique partout. On fera des replays, ça va être magnifique. Ouais, et on va faire certainement du double. Je vais le faire tout de suite. Ah, je vais le faire tout de suite. Il nous faudra du double. Ah ouais, du double scotch là. Stack one right. Ouais, double mur. Ici, je le fais pour. Ici, on s'en fout. Parce qu'on fera du travail de rainure à la rigueur en escalier. Donc, on s'en fout. Ça, par contre, on va le décaler de 1. Move 1. Ça nous laissera des petites accroches à faire. Assez intéressantes. Et peut-être un décalage d'un bloc par rapport à... Oh, ouais, je vois le truc. Vous voyez pas parce que je sais exactement pas. C'est complètement pas clair ce que je dis. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Ça va prendre forme. J'espère, hein. Sinon, ce sera un let's build raté. J'en ai pas fait beaucoup des let's build ratés. On verra bien. Sur ce, des bisous, à la prochaine, et n'hésitez pas à partager, liker, évidemment, à mettre des pouces, et me suivre sur Twitter, tous ceux qui ne savent pas quand est-ce que je fais des lives. Juste, suivez-moi sur Twitter. C'est simple comme bonjour. Allez, à la prochaine, ciao.